YoSN et bienvenue sur J-Collection. J-Collection où on va découvrir la nouvelle Woodbox du mois. Avec un couteau apparemment pour planter quelqu'un. C'est ça, donc si t'as envie de tuer quelqu'un, apparemment ils vont nous livrer une arme blanche. Donc merci Woodbox. Voilà. Alors je suis pas sûr. Restez, s'il y a des enfants, restez, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger. Alors comme vous le savez, Woodbox nous gratifie d'une box différente chaque mois avec une contenance différente. Et on va découvrir ensemble en fermant les yeux, en essayant de découvrir ce qu'il y a. On va commencer par toi. C'est toi qui fermes les yeux. Je suis au taquet, j'ai envie. Et on va commencer. Vas-y. Allez, je prends. Alors on en a deux, il y en a une chacun. Ça, c'est la mienne. On commence par la mienne et on verra ensuite. Bon, ça, c'est un t-shirt. Pendant la box, vous allez craquer. Enfin, craque pas le t-shirt, craque le plastique. Qu'est-ce que c'est selon toi? Qu'est-ce que c'est selon moi? On essaiera ensuite de voir si on a c'est les mêmes bon, items. Ouais, nickel. C'est quoi? C'est une série? C'est un manga? C'est un... C'est une meuf. Déjà, c'est une meuf. Donc, tu vois que c'est une Franchement, meuf. Je saurais pas t'aider. Ouais, je saurais pas. C'est une série américaine? C'est ouais, je crois, ouais, mais. Tu peux regarder du coup? Ouais, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, la même race sera que Dolores dans Westworld. C'est peut-être ça. Dites-nous si c'est Dolores de Westworld, la série américaine qui est actuellement diffusée. Peut-être bien, effectivement. Tu sais quoi? Vu que c'est ta box et ta taille, tu vas le mettre, tu vas leur faire plaisir. Ouais, mais. Et moi, je vais le mettre aussi. Allez, je vais le mettre. Ah, si t'as le même t-shirt. Attends, je vais regarder. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le même. Ah, bah, c'est le même. Non, donc, c'est... Bah, on va le mettre tous les deux. Allez. Allez, regarde la caméra avant la transformation. Et voilà. Ah, voilà, magnifique. Mais pourquoi t'as laissé le pull en dessous? Ah, j'ai laissé le pull en dessous. Je vous dis pourquoi. C'est parce que j'avais la flemme. Non, j'aime pas les t-shirts en col comme ça. T'aimes pas les t-shirts en col? Ça rend con. Allez, donne, je vais te faire un col. Vas-y, nique pas mon t-shirt et tout. Ils m'ont mis un beau t-shirt et tout. Non, franchement, je l'ai claqué par-dessus. Mon t-shirt de grognasse. Voilà, t-shirt, elle s'appelle pas. Elle s'appelle le. C'est un robot, donc c'est une grognasse. Voilà. Oh, cool. Ok, d'accord. Bon, je rigole, c'est de l'humour. Hein. Enfin, je vais me faire insulter encore par les gens alors que c'est juste de l'humour. Hein. Insulter le dos. Voilà, on a traité, on a claqué et tout. Le mec, il se met des claques lui-même quand même. Item suivant, c'est moi qui pioche. Vas-y. C'est toi qui pioche. Ouais. Prends celle-là parce que sinon box. on va s'embrouiller. Ouais, on va pisser. Allez, vas-y, on ouvre la porte. Ah, j'ai un truc. Alors, retourne-le. Ça, c'est un verre, ça. Retourne-le comme ça. Donc, ouais, c'est un verre, effectivement. De qui? De Mario. Non, c'est pas Mario. Ou alors, c'est un jeu vidéo. Ouais, c'est une bonasse Mario, là, pour le coup. Ah ouais? C'est une fille. Ouais, c'est une fille. C'est un comics. Ouais. Donc, très connu. Et donc, c'est la meuf d'un perso connu. La meuf d'un perso connu dans un comics. Ouais. D'une héroïne ou d'une meuf. D'un anti-héros, on dirait. Ah, c'est Harley Quinn. Bah ouais. Ah ouais, elle tue sa mère, franchement j'aime bien. Ah oui, un petit héros, Harley Quinn. Ah, salut. Ah, des gros buzz, c'est bien, je suis content. D'accord. Cache-toi loin. Ah franchement, je suis super content. Et il est pas mal. Ouais, j'aime bien. Alors attends, je vais vérifier en même temps parce que forcément j'ai eu la mienne aussi. Ah, est-ce que toi t'as la même? Donc est-ce que j'ai le même? Oui, effectivement, tac, le même. Ok, donc voilà. C'est les mêmes verres, donc sachez-le si vous achetez les box. Donc le pose là, comme ça il tombera pas. Hein. C'est à moi. Allez, vas-y, pioche. Allez. Je ferme donc les petits yeux. Vas-y, tant que c'est les yeux. Enfin, tu peux fermer autre chose aussi. Je vois un petit crochet là, je pense. Enfin, faut retourner comme ça. D'accord. Ouais. Ok. Petit boîtier plastique, non sans rappeler les figurines de Goku et Kulin qu'on avait eu là, tu sais, transparent. Mais c'est pas manga. Donc quoi, c'est encore une fille? Ouais. T'es sérieux? C'est quoi, c'est encore un comics? Ouais. Mais non, ah, arrête. Si, c'est un comics qui est en vibe en ce moment parce qu'il y a un film qui sort. Les Gardiens de la Galaxie. Pourquoi c'est pour les Gardiens de la Galaxie. Putain. Les Gardiens de Jackie et Michel. Non. Je suis pas sûr qu'il y ait des gardiens pour ça. Est-ce qu'elle est à moitié à Walpé, genre style elle est dans la jungle? Ouais. Bah si c'est l'autre là, c'est comment elle s'appelle la pute là? Le mec il parle comme un... Ouais, comment il se croit au coin d'un bar le mec. Comment s'appelle celle-là déjà? Wonder Woman. Ouais, c'est ça, mais elle est un peu spéciale comme figurine. Je te la montre. What? C'est une figurine à moitié en squelette. Alors derrière il est marqué, on a la marque, c'est XX Ray, donc en gros c'est rayon XX. Et heureusement qu'il n'y en a pas un troisième, sinon ça serait vraiment une vidéo Jackie et Michel. Wonder Woman, dissected vinyle plastique figure, je sais pas quoi. D'accord, Artigo. Donc elle a été disséquée. C'est bizarre. Donc je pense que ouais, c'est Wonder Woman passé au rayon X où il nous montre peut-être la moitié de son corps tel qu'il devrait pas. Pourquoi elle serait en squelette genre on l'a disséqué? Je sais pas, peut-être parce que ils veulent scanner nos héros. Il y en a qui ont des corps peut-être pas normaux. Tu crois que c'est des séries de figurines Justice League America numéro 23 DC? Donc dites-nous dans les commentaires si c'est une série de figurines. Mais si vous en avez d'autres aussi, surtout de cette série. J'ai pas fini. J'essaie de demander des trucs aux gens. Demande aux gens, vas-y. Pourquoi je peux pas demander aux gens? Bah, demande aux gens. C'est toujours toi qui demandes aux gens. Je veux demander à vous. Vas-y, demande aux gens. Non, je voulais savoir, et c'est écrit numéro 23, on est d'accord, je dis pas n'importe quoi, à défaut d'avoir numéro 18 en figurine. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est si c'est plusieurs figurines comme ça de rayon X, ou si c'est plusieurs figurines de comics qui sont pas en mode dissected, tu vois. D'accord, en gros, genre tu voudrais dire que le numéro 23, ça serait juste la version dissected de Wonder Woman. Ouais.
Ok, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai vu ça, hein, rien à voir, mais je viens de voir, il y a vraiment un certificat d'authenticité juste sous la box. Donc c'est plutôt pas mal. On va essayer de focuser la figurine comme d'habitude. Je vais me décaler comme d'habitude parce qu'on a toujours un focus de bite. Voilà. Voilà, donc c'est une figurine un peu spéciale déjà. Si on la met comme ça, non pas comme ça, plutôt comme ça, elle est pas mal. Enfin, elle est pas mal, c'est Wonder Woman quoi. Alors que le côté squelette est un peu, je vais pas dire malaisant, mais bizarre quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le nous dans les commentaires. C'est vrai que c'est space quoi, il y a ses tripes et tout. Ah, t'as vu le lasso? Il pendouille, on dirait, il est léger. De lui toucher le tarp comme ça. C'est pas son tarp, c'est son lasso. Ouais, mais imagine, tu tires trop le lasso et. Non, je vais pas le casser. Regarde-toi si t'as aussi une figurine si de Wonder Woman. Ouais. Ça serait intéressant de savoir. Ouais, bah j'ai exactement la même que toi, tu vois. Ah, voilà, c'est la Wonder Woman numéro 23. Mais je pense que c'est la même parce qu'on a l'étiquette Lootbox exclusive, un peu comme ce qu'on a eu avec cette figurine là. Voilà. Avec Goku Super Saiyan Blue. Donc je pense que c'est. Associé à ce que offre Woodbox. D'accord. En général. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de variations entre deux box. Enfin, sur les dernières qu'on a fait, on n'a pas noté de différence. Genre l'un a eu tel perso et l'autre tel perso. Ah, la box où il y avait les figurines de Luffy, là, c'était quoi? C'était E-Tech. C'était la E-Tech box. D'accord. C'était la E-Tech box. Donc effectivement, on l'avait pas. C'est vrai, donc Woodbox aime plutôt faire des trucs exclusifs au box Woodbox. C'est ça. Ça c'est pas mal, parce que ça permet d'avoir des articles justement qui sont exclusifs et qu'on n'aura pas ailleurs, qu'on n'aura pas dans d'autres box. Mais par contre, c'est plutôt original. Rien ne sert d'en commander plusieurs parce que tu n'auras pas forcément. Et rien ne sert de courir aussi. Mais vous arrivez à point. Moi j'aime bien plutôt ça. Ça va, tu vas t'en sortir, ouais. Ouah, nique sa mère. Ouais. Allez, on passe tout de suite. Bah, elle est quasi vide. On passe c'est tout à toi, de suite. Ah, il y a quasiment rien dedans. Mais non. Je te jure. Déjà ? Elle est quasi vide, ouais. On a fait 3 articles, il n'y a plus rien. What ? Vas-y. Je suis obligé, j'avais envie, j'ai les nerfs. Bah, franchement, je sens rien. Je sens une plaquette là. Une plaquette de frein. C'est un article ça ou... Ouais, c'est un bel article. Oh putain, ouais, c'est un bel article en plus. Donc essaye de deviner. J'ai ouvert un œil, mais j'ai rien vu. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors essaye de deviner ce que ça pourrait être déjà de prime abord par rapport à la texture. Un éventail. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Si c'est pas un éventail, c'est. C'est pas un poster ça. Non. Ah, c'est comme le truc qu'on avait eu dans une box. C'était Woodbox d'ailleurs, je crois. Zelda là. Tu sais, une affiche cartonnée. C'est une affiche cartonnée, mais elle a quelque chose de spécial. Déjà au niveau de l'œuvre, parce que forcément ça représente quelque chose. Ouais. C'est un jeu vidéo. Ouais. De combat. Ouais. Street Fighter. Il est fort, il est fort. Bah, Street Fighter, c'est le premier qui. Liu. Non, c'est une fille. Hein. Ah, Chun-Li. Ouais. Par contre, retourne-le parce que les gens, ils voient la culotte de Chun-Li. Ah, ouais, j'étais pas du tout à l'endroit. Ah. Et regarde le verso. Tu sa mère. Ah, il y a un certificat d'authenticité, comme vous pouvez et voir. Et limité à 17 000 exemplaires. Ça fait plaisir, Woodbox, quand vous nous donnez des produits qui sont limités comme ça. Bah franchement. Regarde si t'as la même, si t'as Chun-Li aussi, parce que ça se trouve t'as une illustration différente. T'imagines, j'ai une autre fille. Bon, après, je pense pas, c'est limité. C'est This Limited Edition Art. Mais je pourrais très bien avoir Camille, par exemple, dans Street Fighter. Camille en japonais, j'imagine. Et oh, c'est la même. Ok. Tac, donc limité aussi à 17 000 exemplaires. Donc franchement, je me pose la question, est-ce que Woodbox vend plus que 17 000 trucs? Parce que sinon, ça voudrait dire que. Si admettons, ils vendent 20 000 box à chaque fois. Moi, la question que je me pose, c'est. On a eu que des filles depuis tout à l'heure. En fait, c'est une box aux filles. Attends, je prends le livret. On va prendre le livret. De là à ce que ce soit une box spéciale. Et comme d'habitude, on le sait pas avant la fin, nous, parce qu'on regarde pas, on ferme les yeux. On est des gros cons. Ah ouais? Il est marqué héroïne en bas. Voilà. Box spéciale héroïne, donc ça va certainement figurer sur le titre de la vidéo. On a plus rien dans la boîte. Bah, je sais pas, franchement, elle est légère. Donc. Moi, je regarde, de toute façon. Ah, il reste un truc. Ouais, qu'est-ce que c'est? Bah, tourne-le, montre. Je sais pas si je suis, j'en sais rien, je sais pas si je suis dans le bon. Ouais, quasiment, c'est pas trop ça, mais plus comme ça. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est selon toi? Oh, c'est un pins. Bah ouais. Ouais, c'est un pins. Faut que je devine de qui? Un jeu vidéo. Un jeu vidéo? Ouais. Bah, c'est encore une fille. Ouais. Encore une fille, un jeu vidéo? Ouais. Peach? Non. Daisy? Non. C'est pas univers Mario, tout ça. C'est plus quelque chose que tu peux retrouver. C'est un jeu vidéo à part entière. Mais tu retrouves le personnage dans justement Super Smash Bros. J'en dis trop. Ah, c'est Samus! Samus! Bah, c'est ça, c'est Samus, mais avec son casque. Ah ouais? Donc voilà. Déchire! Ceux qui ne savent pas que Samus est une fille, bah ça leur fera pas tilt tout de suite, mais effectivement c'est bien une fille. Blonde, Samus. Donc voilà. Et ensuite, bah c'est fini, on est déjà au livret. D'accord. Donc c'est une box. Il n'y a pas beaucoup de produits, mais on va regarder peut-être la valeur. Ouais, on va regarder. On va regarder ça. Mais j'aurais eu du mal à estimer certains produits de cette box. Comparativement à d'habitude. C'est vrai. Parce que peut-être qu'on est moins à l'aise avec les produits proposés, je sais pas. Quoique peut-être qu'on n'a pas fait du tout l'effort, mais... Mais ils sont cool. Ouais, ils sont super cool. Ça, on peut le dire. Parce que bon, si on prend la figurine,
Original. Voilà, moi je l'estime à une quinzaine d'euros. Combien il la vend là-dedans? Elle est estimée à 20 euros. Ouais. Bon, on va dire allez, 15-20. Ouais. Le verre, moi sérieusement, je le vois bien à 12,90 en magasin. 10 euros d'après l'affiche. 10 euros. 10 euros. Donc effectivement, on va donc partir du fait que l'on est à 25,30. Ouais. Ensuite, on a le t-shirt. Le t-shirt, bah 15-20. 20 euros, c'est créé. Donc 15-20, donc 25,30, donc 40-45. Ouais. Ensuite, on a le pins. 5 euros. 4 euros. Voilà, et ensuite on a l'affiche promotionnelle, enfin promotionnelle non, l'affiche limitée de Chun-Li qui est estimée à 8 euros. D'accord, donc en fait on a vraiment une petite soixantaine d'euros ouais. encore dans cette box mmh. pour une box que vous ne paierez que, alors avec les frais de port, si je ne dis pas de conneries, ça va être 24,99€ ou 25€. Vous la paierez moins cher avec le code promotionnel DB Times. Vous trouverez ici le code DB Times et grâce à nous vous aurez une remise de 5 euros de réduction. Je dis grâce à nous, grâce à Woodbox, vous pouvez les remercier. Ben voilà, ça vous offre quasiment les frais de port. Vous allez avoir une box pour 19 ou 20 euros. Vous voyez tout ce que vous allez avoir. Pour environ 60 euros de valeur. Et vous pouvez faire tous les mois. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le code promo ne marche pas nécessairement que pour celle-là. Vous pouvez acheter la box que vous voulez. Carrément. Donc ça, c'est top. Ça fonctionne sur leur site. Ça vous permet de choisir. Et en plus, on peut choisir en fonction du mois. Et je pense que c'est indiqué. Nous, on fait exprès de ne pas regarder. Hein, parce que sinon, on n'aurait pas la surprise. Ouais, c'est pour faire des surprises devinées et ça vous met un peu dans la vibe. Sinon, c'est pas marrant. Mais ouais, c'est vraiment cool. C'est cool, franchement. Qu'est-ce que tu mettrais comme note, justement, à cette box spéciale héroïne? Moi, je suis assez surpris parce que j'avais entendu il y a quelques mois qu'il allait avoir une box héroïne. En fait. Ah ouais, t'avais entendu ouais. Eh ben, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, mais quand tu prends la box comme ça, tu la reçois. Je savais pas que c'était. Tu peux pas te dire que c'est de l'héroïne, ça, c'est ouais. impossible. Parce qu'on peut féliciter Woodbox qui change ouais. de package tous les mois. Mais bon, le bémol, c'est que c'est jamais trop en rapport. C'est vrai qu'on a eu une box Tortue Ninja, on pensait ouais. avoir des trucs dedans, on a rien non, eu. Non. Et là, il y a elle est juste là, sais pas. Et l'arrière est plutôt sympa aussi. Franchement. Au moins, ils changent tous les mois, tu vois. Ouais, et ils ont vraiment le souci de l'effort à ce niveau-là. Je vais mettre 7,5 sur 10. Sur 10. Parce que. Je trouve top de nous offrir une box à thème. Le fait qu'on ait une box héroïne, mettre en avant aussi justement tous les héros comics au sens large où il y a des nanas, parce qu'on en a de plus en ouais. plus et elles ont souvent une place importante aujourd'hui. Carrément. Et on les oublie des fois un peu trop, je trouve. Ouais. Et bah voilà, voir Wonder Woman, on a eu Harley Quinn, je veux dire, elle a fait plus que parler Harley Quinn ces derniers temps, mmh. avec un verre qui franchement, il est lourd, il est grand en plus comme verre. Ouais, je crois qu'il est de la taille quasiment de mon verre. Ouais, en plus, Perrier, il est évasé là, un peu dans le genre de verre qu'on aime ouais. bien, de ce qu'on peut voir. Sans faire de la pub pour Perrier, hein, parce qu'on peut citer Vittel. Alors après, le Trex. T-shirt est sympa, c'est... C'est pas le partenaire minceur. Ça, c'est pas le C'est pas le partenaire minceur maintenant. Est-ce que c'est le t-shirt sur lequel j'aurais craqué? Pas forcément. Moi non. Mais il est cool, sympa. Bon, après, je vais regarder la série, on verra. Ouais. Et ça se trouve, je serai fan de la série, j'adorerais le t-shirt et puis je vais. Et puis, après, on a le airprint. Le t-shirt en col rond en fait. Il veut du colvé, Woodbox. Mettez-moi du colvé. Mettez-lui du colvé. Je vous mets 10 si vous mettez un t-shirt en colvé. Enfin, s'il est bien. Et on met 11 parce que moi j'aime bien le colvé aussi, donc on mettra 11. C'est-à-dire, le scouter, il va péter. Ah, c'est sûr. Voilà. Donc, et puis le airprint aussi, forcément, qui est sympa parce qu'on a du produit limité. Et rares sont les box aujourd'hui qui vont vous proposer du contenu limité, même si c'est 17 000 exemplaires. Ouais. Ça reste quelque chose qui a été authentifié par Capcom. Et c'est top. Mmh. On a vraiment l'impression d'avoir. Et tout ça pour 20 balles. Franchement. 20 balles, ouais, non, et toi, tu mettrais combien? Tu y aurais pas meilleur publicitaire, hein. Franchement, s'il fallait. Bah non, mais je dis, franchement, c'est vrai. Quoi. Non, moi, je vais quand même émettre un bémol, c'est le peu d'articles. Il y a très peu d'articles dans cette box. J'ai oublié de parler du pins. Et t'as pas parlé du pins de ça. Bon, mais le pins, qu'est-ce que tu vas faire avec un pins, franchement. Moi, les pins, dans tous les box, il y a des pins, je m'en bats les steaks en fait. Mais par contre, je collectionnais les pins de voiture quand j'étais petit. T'es sérieux? Hein? Les petits pins de voiture et tout. Bah, je collectionnais tout ce qui était voiture. Imagine des gens qui collectionnent encore les pins. Ouais. Ils reçoivent leurs pics tous les mois, un pins Sam ou un pins Mario. Ils sont contents. Bah, ils sont ouf. Ouais. Ah. Mais moi, je collectionne pas les pins. Donc tu t'en bats les ça. Mais la box par contre était vraiment cool. Une box à thème comme ça, je vais pas redire ce qu'il a dit, mais j'adore, c'est un bon principe. Mon bémol, c'est le manque d'articles qui fait que je mettrai pas une note vraiment excellente. Je vais mettre une bonne note pour moi, une note très dure. Je vais mettre exactement comme toi 7,5. Parce qu'il y a un effort sur la box, c'est super recherché. C'est une box héroïne, c'est un thème intéressant à traiter. Ouais, carrément. Malheureusement, je pense qu'ils l'ont pas traité jusque. Jusque là, ils auraient pu pousser le vis. Oh, ils auraient pu pousser le vice. Voilà, je traduis parce que voilà, je l'ai senti sous l'émotion des héroïnes. Et, non. Mais non, bah c'est pas celles que je. Enfin, Harley Quinn, ça va. Mais les autres, ouais. Mais ouais, 7,5, c'est une bonne note pour moi. Hein. Et j'aurais pu rajouter un truc qui aurait peut-être aussi plus de la plus-value. Le petit cadre Link, tu sais qu'on a eu dans la dernière. Imagine, vous auriez proposé, je parle à Woodbox, hein, je m'adresse à vous, un petit cadre comme ça, avec par exemple une sorte de.
un pêle-mêle des différentes héroïnes. Pêle-mêle. Harley Quinn, Wonder Woman. J'aime bien mêler des trucs, j'aime bien les pêles. En fait, ils s'en bat les reins de ce que je raconte. Voilà. Donc, imaginez quand même un pêle-mêle avec les différentes héroïnes. Et puis, voilà. Les héroïnes. Les voilà. Héroïnes. Les héroïnes, j'ai les envie héroïnes. De dire les héroïnes, les parce que héroïnes. Moi, il y a un Z dans héroïne. Non, non, il y a un H, justement. Faut... Et si vous aimez, du coup, partager avec nous ces box et que vous avez envie de nous voir ouvrir, prier vos... avec nous. Mettez un t-shirt blanc et priez avec nous. Oh, c'est moi. Et on se retrouvera peut-être justement pour en faire une autre de box comme ça. Et justement, parce que j'avais pas fini ce que je disais. Parce si qu'on vous a une boîte postale. On a une boîte postale. Si vous avez envie de nous envoyer des produits, que vous avez envie de nous faire, nous conceptionner une box, admettons que vous dites, allez, je vous envoie un carton, dedans je mets des trucs et je veux que vous fassiez une vidéo. Bah franchement, envoyez-le nous, envoyez-la nous, enfin tout ce que vous avez envie, là, juste il y a l'adresse qui s'affiche, parce qu'on a désormais, comme tu l'as dit, une boîte postale, et on est prêt à recevoir tous vos produits. Alors, pas de trucs péremptibles, parce que si ça périme, ça va puer de ouf, la mort, et puis ça sera mort. Dommage. Donc si vous voulez nous envoyer des lettres, ou des trucs, ou des photos des, de vous tout nus, ça dépend en quoi tu retrouves. On va les passer en vidéo. Donc ouais, mais si vous voulez nous envoyer des objets, imagine, des trucs... Imagine, il y a un gars qui rase sa moumoute, il met sa moumoute dans un non, colis, non, c'est dégueulasse, mais non, je vais porter plainte contre le mec, là, je vais me dire c'est un psychopathe. Imagine, il envoie un inconnu, c'est pas bien. Mais ta gueule, après tu vas les tenter, ils vont le faire vraiment. Non. Si vous voulez nous envoyer des trucs cool, des gadgets, des objets, des figurines, des machins, trucs qu'on peut présenter en vidéo. N'hésitez pas, des tampons, oui, tout à fait. Non, des trucs qu'on peut présenter en vidéo, on le fera. Voilà. Et si c'est des trucs qui périment pas, évidemment, tant qu'à faire. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette box. Dites-nous dans les commentaires quel article vous avez préféré justement au sein de cette Woodbox du mois de mai. Le mois de mai, ouais, je crois. De mai. C'est ça. De mai. La Woodbox et du mois de mai. Et on compte sur vous pour faire partager cette vidéo à tous vos contacts. C'est comme ça que vous nous ferez grandir. On vous demande pas grand-chose si ce n'est ça. Et puis. De l'argent. Si vous avez 100 euros, sinon, ça m'intéresse. Pourquoi que si tu veux donner 100 euros, toi qui me regardes, t'as un Tipeee hein, dans la description, mais c'était juste parce que je voulais sortir ta connerie. Mais non, un partage, ça nous aide à grandir. Et puis, merci d'être aussi nombreux à nous suivre, à nous donner ces compliments, ça nous hype pour la suite. On vous réserve plein de surprises et je pense qu'on peut rester sur ces petits mots d'amour ouais. Pour finir la vidéo. Exactement. Et n'oubliez pas de répondre à toutes les questions qu'on s'est posées sur les objets dans les commentaires. Merci et à très vite. Matane.